Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce webinaire Innovation, la deuxième édition du genre, le début d'une grande aventure, hein, puisque notre objectif c'est d'avoir ces webinaires Innovation à raison d'une fois par mois. On en reprendra évidemment à rentrée, mais on l'évoquera sur le fin de ce webinaire. Ces webinaires innovation, nouveaux formats du genre sont co-organisés avec Paris BTP, avec Impulse Partner, hein, ici présent, qui aura l'occasion d'intervenir, et dont le soutien est important pour la rencontre et la mise en place des startups qui vont intervenir. IBTP, donc Sylvain Pigaud, secrétaire général d'IBTP. IBTP, il était tout à fait légitime qu'IBTP puisse participer à l'organisation de ces webinaires autour de l'innovation. Les enjeux de l'innovation et du numérique sont au cœur de l'aventure IBTP. IBTP est aujourd'hui une plateforme ouverte à l'ensemble des adhérents de la Fédération française du bâtiment et la Fédération nationale des travaux publics, et qui propose toute une offre de services numériques, hein, que l'ensemble des entreprises peuvent retrouver. Fort logiquement et bien en amont, l'idée est de pouvoir voir ce que les différentes startups aujourd'hui, les différents acteurs du numérique dans le monde de la construction pouvaient proposer. En organisant ces webinaires innovation aux côtés d'Impulse Partner, l'objectif c'est que ces rendez-vous réguliers, vous puissiez les inscrire dans vos agendas. Nous efforcerons à la fin et au terme de chaque webinaire de continuer à vous informer au travers du newsletter que nous allons mettre en place dès ce webinaire. Dès la semaine prochaine, vous recevrez différents contenus. La session est enregistrée, vous aurez l'occasion de revenir sur une ou plusieurs parties de ce webinaire. Alors la transformation numérique, de quoi s'agit-il? Eh bien c'est la transformation de toutes les composantes de l'entreprise, processus, métier, culture, organisation, sous l'influence des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous ne traiterons qu'un pan de cette transformation, les objets connectés et l'IoT. Mais la transformation numérique est plus large, elle ne se limite pas qu'à ça. Que ce soit notamment la maquette numérique, les scanners 3D, le BIM, l'intelligence artificielle, la blockchain, la cobotique, la robotique, l'optimisation de la gestion de projets, le champ est vaste. Cette transformation numérique est née avec l'avènement de la micro-informatique et des nouvelles technologies de la communication dans les années 80-90. Elle a rapidement été adoptée par certains secteurs relativement précurseurs comme l'aéronautique ou l'automobile. Aujourd'hui, elle concerne tous les secteurs et elle s'applique notamment à des secteurs plus complexes et fragmentés de par leur diversité, comme l'agriculture ou notre secteur qui est la construction, le bâtiment. Alors cette transformation est caractérisée par un développement accéléré des outils et solutions numériques qui deviennent disponibles pour tous les secteurs. Il est frappant de constater à quel point les pratiques numériques se sont démocratisées, particulièrement dans nos vies privées et avec le smartphone. Au niveau du smartphone, maintenant on a des applications pour à peu près tout. Donc cette transformation numérique, c'est une dynamique continue, articulée autour de trois chantiers prioritaires. Remettre son client au cœur de l'entreprise, rendre son organisation agile et enfin s'appuyer sur ses partenaires pour créer de la valeur dans un contexte digital. Le client est aujourd'hui plus informé, il compare les solutions et services à sa disposition. Pour ce qui concerne les partenaires, on ne peut pas se transformer seul dans un monde interconnecté. Il s'agit de digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur pour pouvoir travailler de façon efficiente ensemble. L'enjeu n'est pas simplement de gagner en productivité et d'optimiser les processus existants. Il s'agit de repenser les modes de fonctionnement, de coopération au sein de notre filière. Quant à l'organisation, l'ensemble des collaborateurs doivent être impliqués pour atteindre une organisation plus efficiente et capable de s'adapter rapidement. Dans cette démarche, la technologie est un élément clé, oui, mais elle n'est qu'un moyen. Elle doit toujours répondre à des enjeux de business bien identifiés. Recherche d'efficacité, meilleure expérience client, meilleure gestion des stocks et des flux. Le choix des technologies à mobiliser n'intervient donc que dans un second temps. Le digital bouleverse les acquis, les certitudes et les modèles traditionnels. Prise sous tension, passage du produit à l'usage,
précarisation des avantages confidentiels, monde en réseau. Il faut donc se transformer pour s'y adapter, repenser méthodes et pratiques et ainsi réinterroger son modèle économique. Gardons en vue et à l'esprit qu'il s'agit là d'une opportunité majeure. Alors comment bien amorcer cette transformation numérique, cette transition digitale? Avant tout, l'implication de la direction doit être totale, c'est-à-dire de poser la vision de la transformation digitale, de la communiquer, de la partager. Enfin, pour réussir, il faut associer très tôt collaborateurs et managers et maintenir cet effort sur la durée. Pour les entreprises, les enjeux sont forts. Qu'il s'agisse de compétitivité, de valeur ajoutée ou de la rentabilité même de l'entreprise, le numérique est un champ d'opportunité. Par exemple, et concernant l'image et l'attractivité de notre secteur, qui n'est actuellement pas des plus fortes, cette transformation peut changer cette image et rendre le secteur plus attractif, notamment pour les jeunes nés avec le numérique. L'organisation est et reste un enjeu fort. C'est même la pérennité de nos entreprises qui peut être en jeu. Pour finir, cette transformation peut apporter de l'épanouissement, que ce soit pour les dirigeants ou les collaborateurs. Place au cœur du sujet, bâtiments connectés, capteurs et IoT. Alors l'IoT, de quoi s'agit-il? L'Internet des objets ou l'IoT est l'interconnexion entre Internet, des objets, des lieux et des environnements physiques. Derrière cette appellation, on a un nombre croissant d'objets connectés à Internet qui permettent ainsi une communication entre nos biens physiques et leur existence numérique. On a un lien fort entre le réel et le virtuel. Ces formes de connexion vont permettre de rassembler de nombreuses données et donc de nouvelles connaissances et formes de savoir. Nous allons maintenant voir une intervention d'Emmanuel Gravier, président de la Commission Innovation et Transformation Numérique. Cette intervention a eu lieu à la table ronde Service, Usage, Performance, les promesses du bâtiment connecté lors du Monitor Innovation Day de ce mardi. Son intervention s'articule sur trois points principaux: l'IoT comme vecteur de la transition écologique, l'IoT au cœur du pilotage intelligent du bâtiment et enfin les enjeux et les opportunités pour nos entreprises. Bonjour à tous. D'ici une décennie, l'IoT et les objets connectés seront massivement présents dans les smart buildings qui, ensemble, formeront les smart cities. En étant connecté, le bâtiment devient communicant et permet aux gestionnaires d'optimiser sa gestion et son pilotage, ainsi que le confort ou encore la sécurité de ses occupants. Les solutions IoT apportent ainsi une réponse aussi bien aux enjeux environnementaux qu'une optimisation du pilotage global du bâtiment sur son cycle d'exploitation. De tels bâtiments connectés apporteront une maîtrise plus fine de l'approvisionnement énergétique, tant en termes de consommation, répartition, anticipation et ajustement en temps réel. Le monitoring offert par de tels bâtiments permet déjà d'accroître le bien-être et la sécurité de ses occupants. Cette plus fine maîtrise de l'approvisionnement énergétique réduira l'empreinte carbone des bâtiments, et cela sur l'ensemble du cycle de vie. Ces nouveaux usages et pratiques transforment nécessairement l'ensemble des métiers qui opèrent sur le bâtiment et toutes les entreprises, y compris les TPE, les PME, artisans. Il s'agit de prendre le virage de la transition numérique du secteur en s'y formant et en développant les nouvelles méthodes de travail associées, vecteurs à terme de l'ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises. Le défi est grand, en particulier pour les installateurs électriciens dont je fais partie. Il s'agira d'assurer la connectivité de l'ensemble des objets connectés et capteurs qui seront présents dans le bâtiment. Après l'eau, l'électricité et le gaz, on parle désormais d'un quatrième flux qui est celui de la donnée. Le développement du Power over Ethernet en est un exemple qui allie distribution d'électricité et flux de données. Les avancées technologiques de l'IoT et du Big Data permettent d'optimiser la gestion et de favoriser une exploitation plus responsable du bâtiment. La remontée et la centralisation d'informations en temps réel, grâce aux capteurs positionnés sur le bâtiment, permettent nécessairement d'optimiser son pilotage. Les capteurs IoT sont l'une des réponses et de nombreuses solutions permettent aujourd'hui de réduire les consommations énergétiques. L'analyse des données fournies par des capteurs IoT ouvre la possibilité d'une visualisation spatio-temporelle des consommations afin d'adapter les usages des différents systèmes, tant électriques, le chauffage, le confort,
et de réduire ainsi la consommation énergétique des bâtiments. À l'heure où les technologies numériques se démocratisent dans le secteur du bâtiment, l'IoT y trouve incontestablement sa place. Nous, professionnels du bâtiment, allons être amenés à intégrer ces nouveaux outils digitaux dans notre quotidien. La montée en compétences, tant sur l'installation de capteurs que sur l'intégration et l'exploitation de la technologie IoT, constitue des leviers pour assurer la compétitivité et la performance de nos activités dans un secteur en pleine mutation vers le numérique. D'autre part, la crise sanitaire actuelle démontre et appuie l'intérêt de la technologie IoT qui permet de disposer en temps réel des informations et piloter à distance le bâtiment. En effet, la fluctuation de la fréquentation des espaces tertiaires, à l'image de celle des bureaux avec l'instauration massive du télétravail, est décorrélée des usages initialement prévus. Nombreux sont les locaux vides ayant été chauffés, ventilés et éclairés. Le bâtiment est un lieu central de nos modes de vie. Nous passons en moyenne 80% de notre temps dans des espaces clos. Dès lors, les nouvelles technologies comme l'IoT proposent d'améliorer le confort des occupants, notamment au travers de la qualité de l'air intérieur, qui est aujourd'hui un fort enjeu de santé publique. En outre, l'optimisation des usages du bâtiment par un pilotage efficient, gestion des flux par exemple, et la sécurité des occupants est également à prendre en compte. Les exploitants et gestionnaires des bâtiments peuvent aujourd'hui proposer de multiples services liés à l'IoT, permettant un pilotage intelligent, mais aussi de valoriser leur patrimoine. La gestion des flux de personnes qui peut s'appuyer sur l'usage de l'IoT permet d'optimiser la gestion du bâtiment pour augmenter les revenus et son pilotage pour assurer le confort, mais aussi la sécurité des occupants. Des solutions existent pour faciliter la vision de l'occupation et optimiser la gestion des espaces de bureaux. Ces solutions ont également tout leur intérêt dans le contexte de crise sanitaire où le pilotage des espaces devient primordial pour la sécurité des occupants, taux d'occupation, distanciation physique, etc. La sécurité des occupants qui occupent le bâtiment est bien entendu un enjeu majeur et primordial pour les exploitants et gestionnaires ainsi que les occupants. Les risques sont multiples, incendies, fuites, accidents, etc. Les solutions IoT permettent aujourd'hui de pallier ces risques et proposent des systèmes de sécurité performants, notamment à destination des occupants. Les capteurs placés sur les bâtiments sont utilisés comme dispositifs d'alerte et remontent les situations à risque. C'est notamment de longue date le cas au sujet de l'incendie. Le confort des occupants est également un critère de valorisation des bâtiments et des solutions s'appuyant sur l'IoT le permettent. Par exemple, des capteurs intelligents de la taille d'une touche de clavier d'ordinateur relèvent différentes données, température, ouverture des portes, fenêtres, humidité, détection de fuites d'eau, etc. D'autres technologies interviennent sur l'environnement de travail et mesurent des paramètres relatifs au confort des occupants grâce à l'IoT. Hygrométrie, niveau de bruit, température, éclairage. Au-delà du confort thermique, acoustique ou lumineux, la qualité de l'air est un enjeu sanitaire majeur et est désormais une priorité pour la politique gouvernementale. Bien plus qu'un simple confort aux occupants, l'air intérieur est plus pollué qu'en extérieur et cela d'autant plus pour les logements. Les sources potentielles de pollution dans le bâtiment sont nombreuses. Matériaux de construction, produits de décoration, activités humaines, et l'IoT peut permettre d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Outre un enjeu sanitaire, une bonne gestion de la qualité de l'air aurait des vertus sur le bien-être des occupants. L'IoT est déjà bien ancré et utilisé à l'échelle du bâtiment et répond aux enjeux du secteur, tant environnementaux qu'économiques. Néanmoins, ces technologies ne sont pas encore suffisamment démocratisées auprès des acteurs qui interviennent sur la construction et l'exploitation des bâtiments, notamment pour les plus petites entreprises, TPE, PME. Pourtant, l'IoT représente une source formidable d'opportunités pour développer de nouvelles offres et proposer des services assurant le confort et la sécurité des occupants. L'IoT, qui illustre le virage de la transition numérique du secteur, doit être perçu comme une opportunité par tous les acteurs et à tous les niveaux, d'optimiser les actions des différents métiers sur le bâtiment et donc d'augmenter la productivité des opérations. Son usage nécessite toutefois d'adapter et réviser les méthodes de travail, notamment en développant des compétences et les expertises nécessaires à l'installation, l'exploitation et la maintenance des capteurs. En outre, la gestion à distance des équipements techniques va nécessairement dématérialiser la relation client et modifier le rapport entre les acteurs qui interviennent sur le bâtiment et ses clients. Pour prendre le tournant de la transformation numérique, les acteurs devront se former à l'usage de ces nouvelles technologies. L'IoT et plus largement l'usage du numérique est vecteur de transformation pour nos entreprises du bâtiment.
Nous devons nous adapter aux mutations du marché en développant de nouvelles offres plus intégrées, allant de la réalisation des travaux d'installation des capteurs jusqu'à l'analyse des données. Bonne réunion à tous. Comme nous venons de l'entendre, l'IoT est un des vecteurs de la transition écologique. De par la visualisation spatiale et temporelle permise par celle-ci et l'analyse des données recueillies, il est possible d'optimiser la gestion et ainsi permettre une exploitation plus responsable du bâtiment. L'IoT permet également un pilotage à distance. L'IoT se trouve au cœur du pilotage intelligent du bâtiment. Cela permet d'améliorer la sécurité des occupants, mais aussi d'assurer et d'améliorer leur confort. Enfin, l'IoT permet d'optimiser l'usage et la gestion des espaces. Les opportunités pour les entreprises sont réelles. Il est possible de développer de nouvelles offres et services. Néanmoins, ces technologies ne sont pas encore suffisamment démocratisées, et en particulier chez les TPE-PME. Des expertises sont à acquérir et les méthodes de travail sont à adapter. Il s'agit de développer des compétences pour installer, exploiter et maintenir les capteurs IoT. Comme cela vient d'être dit, l'IoT et plus largement le numérique et son usage est vecteur de transformation pour nos entreprises. Je passe maintenant la parole à Antoine Fuillier d'Impulse Partner. Merci Georg. Comme d'habitude dans ces webinaires, on essaye de donner un petit peu un panorama par les offres d'innovation des startups sur le sujet concerné. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'IoT et c'est le digital. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer un petit peu les différentes solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et qui sont mobilisables par les entreprises. Alors, on l'a entendu dans le propos introductif d'Emmanuel Gravier, il y a énormément de solutions qui se développent dans l'usage des bâtiments et qui, par l'IoT, permettent de rendre l'usage des bâtiments plus performant et notamment de minimiser l'impact des bâtiments sur l'environnement par les consommations d'énergie, etc. Et on constate effectivement qu'il y a une profusion de solutions innovantes développées par des startups, par exemple dans le domaine de la domotique, sur l'optimisation du confort, de la sécurité des occupants, mais aussi la gestion des flux dans les espaces. Quand on a un bâtiment de bureau qui est partiellement vide, comment est-ce qu'on optimise l'occupation des espaces pour qu'on ne chauffe pas des espaces vides et pour qu'on optimise l'usage au maximum. Et puis, il y a un sujet qui est devenu de plus en plus prégnant, c'est celui de la qualité de l'air. Et vous voyez qu'il y a un grand nombre de startups qui se développent sur ce sujet-là et qui développent notamment des capteurs de plus en plus performants, de plus en plus sensibles, qui permettent de détecter les pollutions et d'optimiser les stratégies de renouvellement d'air en fonction. On a su comprendre pendant le Covid que le renouvellement d'air et le taux de renouvellement d'air, c'était un bon moyen de protéger les occupants contre la dissémination d'un virus. C'est quelque chose qu'il va falloir continuer évidemment de suivre dans les années qui viennent. Sur l'aspect énergétique, il y a évidemment un levier majeur de développement de l'IoT. C'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de startups qui développent du capteur, bien sûr, mais aussi tous les outils, toutes les plateformes logicielles qui permettent de traiter cette donnée et de faire de ces capteurs vraiment des outils d'intelligence pour comprendre comment piloter et optimiser le fonctionnement des bâtiments et des espaces. Et puis, on peut souligner aussi que dans la vie des bâtiments, il y a aussi un autre usage de l'IoT qui est dans la programmation et le déclenchement des activités de maintenance. Et puis quand on pense IoT, on pense système électronique, donc on a plutôt tendance à connecter ça à des enjeux, on va dire, plutôt liés à la ventilation, au renouvellement d'air, au chauffage, à la climatisation des bâtiments. Mais on peut aussi trouver des applications de l'IoT dans la structure, avec par exemple des dispositifs de capteurs qui sont à intégrer dans la structure des bâtiments ou dans son enveloppe pour détecter d'éventuels problèmes d'étanchéité ou des dégradations dans le temps des structures, de façon à intervenir en maintenance avant d'avoir un sinistre, ce qui est un atout et une plus-value très intéressante. Et puis, au-delà de toute cette phase d'exploitation, qui est évidemment très riche, on voulait aussi aujourd'hui souligner le fait que l'IoT arrive aussi sur vos chantiers et que toute l'activité des entreprises de construction peut être impactée par le développement des objets connectés et de l'IoT à plusieurs niveaux.
D'abord, dans la gestion de votre parc matériel, de vos engins et de vos matériels chantiers. On a de plus en plus de solutions qui se développent à partir d'IoT, à partir d'objets connectés, pour monitorer le matériel, pour le suivre, pour le localiser, pour s'assurer qu'on l'utilise bien de façon efficace sur un chantier. On a également tout un panel de solutions qui se développent pour prévenir des risques sur les chantiers et apporter un suivi de la prévention au plus près du travailleur, par exemple avec des OPI connectés ou d'autres dispositifs. Également des dispositifs mis en place sur les chantiers avec des capteurs un petit peu partout pour suivre les nuisances environnementales que le chantier peut amener à ses riverains, de façon à les minimiser, mais aussi éventuellement à faire en sorte que les éventuelles nuisances qui sont parfois inévitables soient concentrées sur des moments horaires où finalement les riverains sont moins impactés. Donc on voit qu'au-delà de l'exploitation et de la gestion des bâtiments qui est le cœur du sujet IoT, on a de plus en plus d'applications dans le chantier proprement dit et qui sont donc au cœur des activités de vos entreprises. On peut passer à la page suivante pour vous présenter les startups qui vont vous pitcher leur solution aujourd'hui. Donc elles sont au nombre de trois, Omniscient, 442, H-Experience. Les deux premières, Omniscient et 442, sont plutôt des solutions destinées au chantier et à la gestion du chantier grâce aux objets connectés et à l'IoT. Et puis la dernière, H-Experience, nous présentera ce que l'IoT et la data et les plateformes de traitement de cette data peuvent amener dans la gestion des bâtiments et l'optimisation du fonctionnement des bâtiments. Chacune de ces trois startups va avoir 7 minutes pour vous présenter sa solution, son offre, son innovation. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'ils puissent répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, pendant toute la durée des pitchs, à poser vos questions aux entrepreneurs sur le chat directement. Et à la fin de chacun des pitchs, on les prendra dans nos voix pour transmettre vos questions donc aux personnes qui auront pitché pour qu'elles puissent vous répondre. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne écoute de ces startups et puis n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions, ce qui rendra la séance encore plus intéressante. Merci Antoine, on va passer à présent au pitch de startup avec Laetitia qui va présenter donc la startup Omniscient. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous présenter Omniscient aujourd'hui. Alors Omniscient, c'est une plateforme de gestion de parcs matériels connectés dédiée au secteur de la construction. Omniscient est né d'une opportunité de résoudre des difficultés du quotidien, les difficultés que pouvaient rencontrer en fait nos fondateurs lorsqu'ils étaient en responsabilité au sein d'agences travaux. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la première difficulté qu'ils pouvaient rencontrer, qui fera sûrement écho à certains d'entre vous, c'est le manque de visibilité sur le matériel. Qui utilise quoi? Comment retrouver rapidement son matériel, le matériel dont le chantier a besoin? La deuxième difficulté, c'est de suivre la conformité. Comment retrouver rapidement une machine ou un EPI dont la date de contrôle réglementaire est échue? Comment distinguer facilement l'état de marche des matériels? Voilà. Et puis la maîtrise des coûts de location et des investissements. Comment identifier les matériels qui sont sous-utilisés, comment être informé lorsqu'ils sont perdus, volés, comment détecter les stocks dormants. Eh bien, c'est tout ça que l'IoT va nous permettre de résoudre. Et c'est tout ça qui a encouragé nos fondateurs à créer donc, l'application Omniscient. Omniscient, c'est une application donc, qui permet de monitorer les ressources et d'améliorer la performance au quotidien grâce à l'IoT. C'est une application complètement SaaS qui va permettre de suivre les matériels au travers de fiches d'identité, de suivi, de les géolocaliser, mais aussi de les inventorier en temps réel de manière totalement automatisée par magasin, par chantier, par container, même par camion. Et puis de savoir exactement où ils sont, où ils se trouvent et de connaître l'historique de leur déplacement, des kilomètres parcourus, mais aussi de leur taux de déploiement, par exemple. Alors, comment ça marche ?
Nous posons des capteurs IoT sur l'ensemble des matériels, que ce soit un camion, un gros matériel, une soudeuse, un électroportatif. Nous accompagnons vraiment nos clients dans le choix des capteurs. Nous ne sommes pas fabricants de capteurs, nous connaissons très bien le marché des capteurs. Et comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ce sont des nouvelles technologies qu'il faut s'approprier. Et donc, nous sommes là pour accompagner nos clients et choisir pour eux le bon capteur qui correspond à leurs besoins, et nous allons les poser, les paramétrer et faire en sorte que la donnée remonte dans l'application Omniscient. Et ensuite, cela va nous permettre deux choses. La première, c'est de localiser les matériels, de savoir exactement où ils se trouvent sur une carte, mais aussi à l'intérieur d'un chantier, puisqu'on crée aussi des zones au sein des chantiers. Et puis, sur un temps un petit peu plus long, ça va nous permettre de piloter son matériel au niveau macro, et d'obtenir des rapports pour comprendre l'activité au quotidien d'un matériel, d'une famille de matériel ou même de tout son parc en entier. Alors, je reviens juste sur cette partie qui est de savoir connecter les matériels. Merci. Alors, chez Omniscient, nous avons le choix de faire du multi-technologie. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons pouvoir intégrer du GPS, du Wi-Fi, du Bluetooth, mais aussi utiliser des technologies qui sont spécifiques à l'intérieur des bâtiments et qui vont donc nous permettre de connecter les matériels où qu'ils se trouvent. Et donc, on va aussi permettre donc d'affranchir nos clients du choix technologique. On s'occupe vraiment de tout et on les pose, comme on peut voir ici sur cette image, sur les différents engins, voire même sur les badges ou les casques des compagnons, notamment dans les zones à risque ou dans les zones confinées au sein desquelles il est important de pouvoir les localiser lors de leurs opérations. Nous allons aussi pouvoir donc localiser, comme je le disais, les matériels et surtout les trouver en un seul clic. C'est-à-dire que, par exemple, par le biais du géofencing, alors qu'est-ce que c'est que le géofencing? Vous pouvez voir un petit peu à droite de la slide un grand rond violet qui matérialise une zone géographique. Et en fait, grâce à nos algorithmes, lorsque le matériel arrive dans la zone géographique prédéfinie, il va automatiquement être affecté à cette zone dans notre application. Et c'est ce qui va vous permettre de savoir exactement quels sont les matériels qui sont à l'entrepôt, qui sont dans un conteneur ou qui sont dans un camion en particulier. Donc ça facilite vraiment sans aucune intervention humaine et ça permet de savoir où sont les équipements. Et puis enfin, ça va vous permettre de suivre les affectations et le contrôle réglementaire notamment. Aujourd'hui, on sait que suivre sur un fichier Excel ou sur un ERP classique la date de contrôle de ces matériels, c'est assez fastidieux à faire, mais ce n'est pas très compliqué techniquement. Le plus compliqué, souvent, c'est de retrouver le matériel sur le terrain. On sait qu'il n'est plus conforme, mais on ne sait pas toujours où il se trouve. Et c'est souvent de nombreux coups de fil avant de pouvoir retrouver sa localisation. Là, grâce à Omniscient, en un clic, on va pouvoir le retrouver sur le terrain et donc faciliter aussi l'intervention des techniciens de maintenance sur le chantier. Et sur le temps plus long, on va permettre de piloter et d'apporter des rapports. Alors, j'ai mis ici un seul exemple, parce que j'ai 7 minutes, un seul exemple de rapport, mais on en a bien d'autres. Et donc ici, par exemple, on peut suivre l'activité d'un équipement, savoir jour après jour combien de temps il a passé sur le terrain versus combien de temps il passe dans l'entrepôt, quel est son temps de fonctionnement, quels sont ses kilomètres parcourus, ses heures de déplacement. Et puis, on peut évidemment zoomer ou dézoomer dans le temps et ensuite avoir une vue par famille d'équipement ou pour l'ensemble du parc. Et ça, finalement, ça va aussi faciliter les décisions d'investissement. Je prends l'exemple d'un responsable de parc matériel. Il a acheté 10 nouvelles machines cette année. Eh bien, il va pouvoir s'assurer que ces 10 machines sont vraiment utilisées suffisamment souvent avant d'en racheter d'autres. Et si ça n'est pas le cas, il va pouvoir essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les machines qui sont moins utilisées, est-ce qu'il y a des caractéristiques de saisonnalité ou des effets liés à des caractéristiques de chantier, par exemple. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des informations et des indicateurs métiers et pas seulement des flots de données. On transforme cette donnée en indicateurs qui doivent permettre d'aider à la prise de décision. Alors, certains d'entre vous se demandent sûrement combien ça coûte. Il y a différentes modélisations du prix, évidemment, mais je présente ici un exemple pour une offre d'essai qui comprend finalement l'abonnement à la plateforme, qui comprend
l'installation des capteurs, le paramétrage évidemment, on se charge de tout, et puis un lot de capteurs avec ici trois capteurs GPS. Alors je vous en montre un, mais pour ceux qui voient ma vidéo, pour vous donner un petit peu l'idée de la taille. Et puis vous voyez les petits capteurs Bluetooth, c'est tout petit comme ça. Donc voilà, cette offre, elle recouvre pour 1 500 € par exemple, 3 mois d'abonnement et 10 capteurs pour suivre donc une dizaine de matériels. Juste en résumé, Omniscient, c'est vraiment une application qui permet à la fois d'installer, enfin de choisir les capteurs, de les installer, de les poser, mais surtout d'apporter des indicateurs métiers qui vont aider sur le long terme le chantier, mais aussi les décisions d'investissement. Voilà, en un tout petit peu plus de 7 minutes, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Laetitia. On a une première question, c'est est-ce qu'on peut choisir les données remontées pour chaque matériel? Quid d'un casque, d'un compagnon si on trace tous les mouvements et également les données personnelles? Oui, alors très très bonne question. Alors il y a même deux questions dans la question. Au niveau des typologies de données, effectivement, il existe de nombreuses catégories de données hein, sur les capteurs. Nous, chez Omniscient, on utilise principalement deux types de données, celles de géolocalisation et celles qui sont liées à des accéléromètres qui sont souvent présents dans les capteurs. Un accéléromètre, c'est ce qui va permettre de savoir si le capteur bouge ou pas. Alors, il y a plusieurs manières de savoir s'il bouge. Soit il se déplace sur une carte, en fait. Là, on va utiliser le GPS pour savoir à quel point GPS il se trouve. Mais si on veut mesurer, par exemple, un temps de fonctionnement, l'accéléromètre va permettre de savoir si le capteur et donc l'équipement est juste en mouvement. Et ces petits mouvements, nos algorithmes vont permettre de détecter s'il s'agit d'un petit mouvement, d'un grand mouvement, et donc de faire la différence entre un mouvement de fonctionnement et un mouvement de déplacement. Concernant la gestion des données personnelles, c'est effectivement un sujet extrêmement important que nous adressons évidemment avec nos clients. Et nous avons également, grâce à nos algorithmes, la possibilité, en fonction des enjeux de chacun, hein, de filtrer la donnée en fait et de ne remonter que la donnée qui est utile et nécessaire pour l'entreprise et qui donc justifie le suivi. Souvent, lorsque un casque ou un compagnon est équipé, ce suivi du compagnon est vraiment fait dans une logique de sécurité et d'enjeu pour le compagnon. Et donc, c'est totalement toléré puisque intégré à son métier. Évidemment, il faudra toujours prévenir la personne que le capteur est en place. Merci. Et est-ce qu'une application permet de prédire la panne d'un équipement ? Permet de. Alors, il existe. Alors aujourd'hui, il y a aussi différentes manières de détecter les données d'un équipement. Il existe tout ce qu'on appelle la donnée de télématique. La donnée télématique, ce sont en général des capteurs qui sont pré-intégrés dans les machines motorisées. Et ça, c'est souvent fait par les constructeurs. Chez Omniscient, nous équipons plutôt aujourd'hui les matériels qu'on appelle passifs, qui sont donc, alors on peut suivre un équipement motorisé, mais plutôt les équipements passifs, et qui donc sont suivis de manière, plutôt sur l'aspect géolocalisation et temps de fonctionnement uniquement. Une question pour creuser un tout petit peu. Quid des matériels qui sont nativement connectés? Est-ce que vous avez des liens avec les constructeurs pour vous greffer sur leurs API, recueillir les données, ou ça va être une instrumentation externe avec vos capteurs? Alors, je dirais les deux à la fois, mais effectivement, nous sommes en train de travailler, de réfléchir avec et de voir avec les constructeurs pour intégrer les données au sein de notre plateforme. Nous, on a aussi des systèmes d'API qui permettent de transmettre notre donnée, mais aussi de recevoir la donnée de machines constructeurs. Et on aide aussi, on a un certain nombre de nos clients qui ont finalement des parcs de machines dont les machines les plus récentes sont équipées justement nativement, mais il y a aussi tout l'héritage des machines plus anciennes qui, elles, ne sont pas équipées. Et donc, on va venir compléter justement et équiper les machines qui ne sont pas équipées nativement pour pouvoir permettre aussi d'avoir une vue beaucoup plus globale sur l'ensemble du parc matériel et pas se contenter de suivre uniquement les plus récentes et les plus modernes. Très bien. Également une question sur le chat sur le temps nécessaire pour la mise en place pour équiper un magasin entier.
pour le petit matériel sur chantier. Alors, pour le petit matériel, alors ça me permet aussi de présenter un petit peu juste l'accompagnement, hein, en général. Donc, on a un premier rendez-vous avec le client pour lister l'ensemble des matériels. On va définir en fait quel est le bon capteur pour les bonnes typologies. En général, on a certains matériels qu'on va équiper plutôt de Bluetooth, qui sont des technologies plus petites, beaucoup moins coûteuses. Le capteur est moins coûteux, la connectivité est moins coûteuse. Et donc, on met en rapport en fait l'enjeu à suivre le matériel. L'idée, ce n'est pas de mettre un capteur qui coûte plus cher que le matériel. Donc, par exemple, pour l'électroportatif, on va privilégier des technologies Bluetooth qui sont beaucoup plus légères. Et pour les machines, en général, nous on dit une machine qui vaut plus de 1000 euros, eh ben, on va privilégier plutôt un capteur GPS qui va vraiment permettre de suivre partout et tout le temps sa machine. Et donc, on fait ce choix comme ça technologique. On définit le package de capteurs à équiper. Et nous, ça nous prend entre le moment, on va dire, où on se rencontre et notre venue sur le terrain pour la pose des capteurs, on va dire en 2 semaines, en fait, on est capable d'avoir tout préparé. On vient, on pose les capteurs et le soir, ça fonctionne. Donc, je dirais 15 jours. Très bien. Merci beaucoup, Laetitia. C'est la fin du temps de questions-réponses. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. On va passer à la start-up suivante, qui est 442, présentée aujourd'hui par Jean-Philippe. Jean-Philippe, je vous laisse allumer micro et caméra et c'est à vous. Oui, parfait. Merci. Bonjour à tous. Donc, Jean-Philippe Hagé, moi, je suis le président de 442. Du coup, nous, on connecte les chantiers, tout simplement. Donc, c'est la suivante. Je ne sais pas si j'ai la main sur les slides, je crois pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose à nos clients de les aider à améliorer la sécurité sur les chantiers. C'est le premier axe de développement. Et on leur propose aussi de les aider à faire du suivi de production en mesurant notamment la performance opérationnelle. Et on fait ça sur 2 axes, donc en suivant tout ce qui va être aspect logistique et qualité. Donc, slide suivante. Alors nous, on a 5 ans d'existence, donc on est une vieille start-up ou une jeune entreprise, je vous laisse décider. On travaille du coup avec beaucoup d'entreprises, 70% de notre activité c'est de la construction. On a à peu près 10% d'activité en TP et le reste ça va être sur d'autres industries. On travaille principalement en France, en Suisse, en Belgique. Là, on voit des gros noms parce que tout le monde les reconnaît, mais on équipe aussi des TPE. Je vais vous montrer des exemples de chantiers bien précis avec des solutions offertes aux TPE. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Donc, nous, on a un peu plus de 2000 capteurs, j'y reviendrai, qui nous permettent de générer de la donnée, qui peut être de la géolocalisation, qui peut être un capteur un anémomètre qui va mesurer le vent, des capteurs d'humidité pour savoir si le béton est prêt. Ah bon, il y en a 2000. Ces capteurs, ils génèrent de la donnée et ils envoient la donnée sur une plateforme donc, qui s'appelle Unifield, qui est une application web, tout simplement, où on va donner du sens à la donnée. Donc, on va créer des processus métiers. Je l'évoquais à l'instant, on a des anémomètres qui se mettent par exemple sur des passecables, donc ce sont des espèces de grandes grues. Si jamais il y a plus de 75 km/h de vent détecté par l'anémomètre, alors il faut prévenir le grutier et aussi le chef de chantier. Et donc il y a des envois d'emails ou de SMS qui sont générés directement par la plateforme. On va aussi lancer des facturations automatiques, par exemple quand on va détecter que la benne à déchets est partie. On s'intègre en fait totalement au système d'information de nos clients. C'est aussi sur Unifield qu'on va pouvoir relier ces informations du chantier qui sont détectées par les capteurs au planning. Donc le planning chantier, qu'on va pouvoir aussi le relier au BIM. Et donc faire ce qu'on appelle du jumeau numérique temps réel. Donc on va juste passer à la slide suivante, s'il vous plaît.
Voilà. Donc le premier module, c'est d'intégrer le planning hein, qui vient de MS Project ou de Primavera. On l'intègre du coup, on est capable de lier des éléments de la maquette à ce planning. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle du BIM 4D. Et pour chaque tâche, on peut associer des temps de ressources et des coûts. Et ça, c'est la cinquième dimension du BIM. Donc on fait du BIM 5D, vraiment pour planifier ce qui doit se produire et ce qui doit se passer sur le chantier. Et donc après, on a les objets connectés qui, eux, vont nous permettre de savoir ce qui se passe réellement et du coup, de mettre en relation ce qui aurait dû se passer, ce qui se passe réellement et de prendre les bonnes décisions pour éviter tout retard ou des problématiques de qualité. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je l'évoquais, on a 2000 capteurs compatibles. La plateforme Unifield est nativement compatible avec tous les capteurs Sigfox. On fait aussi partie du consortium Iolink. Donc, ça, ce sont des capteurs qui ne sont pas fabriqués par nous. Et nous, chez 442, on en fabrique deux. Le premier, c'est RTK42, qu'on voit en bas à gauche, qui en fait est un capteur de géolocalisation ultra précis. C'est la technologie des géomètres. Et le deuxième capteur, c'est Kit42, qui lui nous permet de traiter quasi exclusivement les sujets de coactivité entre engins et piétons. Et donc c'est notamment sur Kit42 qu'on a beaucoup d'activités avec des petites entreprises. Je vais donc slide suivante. Alors, peut-être encore un clic. Non, une vidéo qui doit se lancer. Bon. Une fois qu'on a des capteurs, le planning, la maquette numérique, le tout sur la même application, comme je vous l'ai dit, on est capable d'avoir ce qu'on appelle un jumeau numérique temps réel. Donc nous, dans notre application, à l'autre bout de la Terre, on est capable de visualiser l'ensemble des positions des ressources sur le chantier, on est capable de rejouer ce qui s'est passé la veille, d'afficher des dégâts spaghettis pour analyser les flux et identifier aussi, rejouer aussi les presque accidents qu'on va pouvoir détecter. Là, on voit un cône de levage qui est en orange sous le moufle de grue et des passages de piétons sous ce cône. Donc un jumeau numérique temps réel. Slide suivante. Alors le premier capteur que je vais vous présenter, donc c'est RTK42, donc 10 cm de précision en 3 dimensions, et on voit 2 positions par seconde. On place sur des pelles, sur des tasselles. Il y a plein d'applications. Je vais vous en présenter une, notamment sur les grues. Donc slide suivant. Voilà. Donc on fait une collision entre grue-tour et enzyme de levage mobile. Donc vous savez, il y a des grues mobiles, il y a des nacelles, des mâts à béton qui peuvent se présenter sur le chantier. Et s'il y a des grues à tour, il y a toujours des risques éventuellement de collision. Alors concrètement, on place un boîtier sur le moufle. Là, on a en bleu une grue à tour. Et on place aussi un autre boîtier sur le moufle de la grue mobile qui est orange. En temps réel, les données sont envoyées à Unifield. Et si jamais il y a un rapprochement qui est trop important, il y a une tablette pour le grutier, pour les grutiers, qui va les prévenir et qui va leur dire attention, tu te rapproches trop près de la grue mobile ou de la grue à tour. Voilà. Donc ça, c'est une des activités, enfin une des applications de ce capteur-là, slide suivante. Deuxième application, c'est que ma grue, si je sais en permanence où est son moufle à 10 cm de précision, je suis capable de faire des tableaux de bord ultra précis. Donc là, vous avez l'exemple d'un tableau de bord qu'on est capable de générer. Notamment, on va pouvoir sortir les temps d'attente à vide de la grue dans la journée, les temps passés en course à vide dans l'attente à vide, et essayer d'optimiser ces paramètres-là qui font que l'engin va être parfois sous-utilisé ou, si jamais il est surutilisé, prendre les bonnes décisions pour changer ça. On a aussi des algorithmes qui nous permettent d'analyser extrêmement précisément les données, notamment... En bas à droite, on voit une courbe qui représente le poids. Donc automatiquement, on va détecter la quantité de béton coulé par jour, par semaine, par mois. On va relier ça du coup au planning. On va du coup pouvoir faire de l'avancement de tâches automatisées via la maquette numérique. On va pouvoir faire des chrono-analyses ultra complètes parce qu'on va aussi connecter le grutier
avec un assistant vocal. Et là, en bas à gauche, on voit qu'on a un coup de grue. On a eu le grutier qui a déclaré qu'il levait une bête à béton et qu'il allait couler un voile. Et donc, on est capable, à la fin de la journée, d'avoir l'ensemble des coups de grue qui ont été caractérisés. Et du coup, ça va pouvoir servir aux entreprises à mettre à jour leur plan unitaire et faire les meilleurs prix et les meilleures prévisions pour les prochains chantiers. Voilà. Donc, slide suivante. Un dernier capteur que je présente aujourd'hui, c'est Kit 42. Là, on est aussi sur une notion de distance, pas de la géolocalisation, uniquement de la distance. C'est le principe du radar. Je place un capteur sur un engin, je donne un capteur au compagnon. Si jamais il se rapproche à moi de 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, tout ça, ça se définit via une application mobile. Alors, le capteur va se mettre à vibrer, à sonner et à afficher un signal lumineux. Et du coup, va prévenir à la fois le conducteur de l'engin et les piétons qu'il y a une situation de danger. Donc, slide suivante. Alors, un exemple très concret. Donc ça, c'est la version un peu ancienne de ces capteurs-là, mais c'est le même principe de fonctionnement. Donc on a un capteur qui est proche du godet sur la pelle, on a un capteur qui est dans la cabine, et là, le client souhaitait que on alerte les compagnons dès qu'ils se rapprochaient à moins de 3 mètres du godet. Et donc c'est ce qu'on a mis en place via une application mobile, en fait, qui est gratuite et qui permet de définir les règles de distance. Et du coup, chaque compagnon, quand il se rapproche du godet à moins de 3 mètres, va être prévenu et le conducteur de l'engin va aussi avoir un signal via le dispositif qui est mis dans sa cabine. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'en 5 minutes, une pelle est équipée et les compagnons aussi, quoi. Et donc, ça permet notamment d'être utilisé dans des chantiers qui vont être très temporaires, ou peut-être va y avoir des engins qui vont arriver pour une heure ou deux heures ou une demi-journée, et ça nous permet de ne pas immobiliser l'équipement. Concrètement, c'est ultra simple à mettre en place, donc nous, on ne se déplace même pas pour les installer, on les envoie par la poste. On les préfigure si on nous demande de les préconfigurer, sinon il y a l'application mobile qui guide l'utilisateur pour mettre en place les différentes règles qu'il souhaite mettre en place. Le coût d'un dispositif, c'est 179 euros. Donc, c'est amortissable sur 3 ans. Donc, ça fait un coût à l'entreprise de 59 euros par an par compagnon, ce qui est relativement faible pour traiter des sujets de coactivité qui peuvent être souvent... Enfin, où peut y avoir des drames, malheureusement, quoi. Et donc, en l'occurrence, donc, c'est ce type de... On va devoir te demander de conclure parce que le temps est... Ouais, c'est fini. Super, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Il me semble que vous avez déjà répondu à la première question en partie, sauf si vous avez des compléments, qui est à savoir le prix, notamment pour les bracelets et les capteurs anti-collision. 179 euros. Et après, ça se réduit de 5 euros par tranche de 50. Peut-être une question supplémentaire, Jean-Philippe, sur la première partie dans laquelle on présente le BIM 5D, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est, j'imagine, aujourd'hui plutôt réservé à des très gros chantiers? Quand on va faire du BIM 5D, c'est réservé à des très gros chantiers, mais la partie planning, elle reste... Elle a toujours du sens parce que, au final, ce qui est intéressant dans cet aspect-là, c'est que je peux partager avec tous ceux qui vont avoir un compte sur la plateforme le même planning qui va être mis à jour au fur et à mesure. Et du coup, tout le monde a la même source d'information qui est sûre. Et même si je n'ai pas la visualisation dans le BIM de l'avancement ou de ce qui doit être fait, je peux avoir les informations qui vont m'intéresser dans le cadre de mon chantier, quoi. Très bien. Et une autre question via le chat. Est-ce que le prix annoncé est valable aussi par compagnon, par compagnon ou par machine? C'est 179 euros par capteur. Une machine, ça va de 1 à 2 capteurs. Et c'est le même capteur pour le compagnon. Donc pour une machine, ça peut être le double si jamais on décide de mettre 2 capteurs comme dans l'exemple que je vous ai présenté.
Peut-être une question supplémentaire sur ces capteurs. Est-ce qu'il y a des enjeux de recharge? Il faut les connecter régulièrement? Est-ce qu'il y a des enjeux de mise à jour du capteur régulièrement? Alors, il y a, bien sûr, ces capteurs-là, il faut les recharger tous les jours. Donc, on fournit des bornes de rechargement parce qu'il y a des alertes sonores et vibrations qui font que ça consomme. Ils peuvent être branchés sur les engins en 12 volts, 24 volts ou 48 volts. Et à ce moment-là, il n'y a plus de notion de recharge pour cela, évidemment. Et en ce qui concerne les mises à jour, oui, ça se fait via l'application mobile qui est toujours gratuite et qui est sur le Play Store. Après, ce qu'on propose en option, c'est de faire des statistiques sur les données de presque accident. Donc en fait, on historise, enfin tous les boîtiers historisent l'heure et la date et la durée des alertes. Et donc on va pouvoir télécharger ces données-là via toujours l'application qui est gratuite et les envoyer dans Unifield, qui est du coup cette fois une application payante qui est de l'ordre d'une dizaine d'euros par mois par objet pour pouvoir faire des statistiques sur les presque accidents. Peut-être que lundi matin, j'ai trois fois plus de presque accidents que vendredi soir. Et du coup, il faut peut-être que j'axe mon quart d'heure sécurité le lundi matin. Quoi. Enfin, voilà. Et peut-être une dernière question sur le format de maquette numérique utilisé pour la partie 4 et 5D. C'est du Revit IFC. Revit IFC. Très bien. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation. Je vous en prie. Merci. Merci. On va passer à la dernière société qui présente aujourd'hui, qui est H Experience, présentée aujourd'hui par Patrick. Bonjour, merci Marion. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Oui, parfait. Donc, Patrick Fichou, moi je suis le président cofondateur d'H Experience. Donc, nous on est une plateforme logicielle pour le bâtiment connecté. Alors, on peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Marion. Voilà quelques indicateurs et challenges auxquels nous attaquons dans la plateforme que nous avons construite. Le premier, c'est le coût opérationnel du bâtiment, le coût de maintenance, le coût énergétique, qui représente 75% du coût global du bâtiment, hein, 25% étant lié à la construction sur la durée de 50 ans, à peu près le coût de la durée classique d'un bâtiment. Le deuxième point, c'est la partie énergie, donc puisque 44% de l'énergie consommée en France est liée au bâtiment, provient du bâtiment, donc vraiment beaucoup de choses à faire dans ce sens-là, et on travaille bien entendu dans le sens du décret tertiaire pour aider nos clients à implémenter tout ça et à respecter ce décret tertiaire. La gestion des espaces qui a été déjà abordée en introduction de cette conférence, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés n'utilisent que la moitié à peu près des mètres carrés qui sont loués. Et avec le développement du télétravail, cette partie-là va bien sûr continuer à se dégrader. Donc beaucoup de sociétés sont en train de revoir leur politique immobilière pour passer des zones en flex office. Donc on accompagne aussi un certain nombre de clients pour les aider à bien utiliser leurs espaces, à mesurer les taux d'occupation, que ce soit dans les salles, dans les open space ou dans les parkings aussi. Et puis dernier point, c'est tout ce qui est mise en place de politique RSE où on permet d'adresser un certain nombre d'indicateurs clés qui viennent alimenter les politiques RSE de nos clients. Slide suivant. Alors, les réseaux IoT, donc deux ou trois mots. Tu peux cliquer, Marion, s'il te plaît, sur ces réseaux-là. Voilà, sur tout le slide encore. Voilà. En fait, on utilise des réseaux qu'on appelle bas débit, qui sont les réseaux Sigfox et LoRa, principalement, aujourd'hui. Donc, on s'appuie sur deux types de réseaux, les réseaux opérés, donc c'est comme les réseaux de téléphonie mobile, avec un réseau LoRa opéré par Orange, un réseau LoRa opéré par Objenius, c'est Bouygues Telecom, et puis un troisième réseau qui est sur une autre technologie, qui est Sigfox, un opérateur français qui se déploie dans différentes parties du monde. Donc ça, c'est pour connecter un certain nombre d'équipements de façon un peu standalone, c'est-à-dire voilà, un équipement, il n'y a pas beaucoup de capteurs, on se connecte directement sur le réseau opéré.
Et puis, à partir du moment où on a beaucoup de capteurs, ce qui est le cas de plus en plus, on peut mettre en place des petits réseaux privés qui sont très peu chers et qui permettent de rajouter un nombre de capteurs importants. Donc on met une petite gateway qui coûte autour de 300 euros, 300, 350 euros, et qui permet de gérer autant de capteurs que l'on souhaite dans le bâtiment. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et ensuite, cette petite gateway, elle est connectée au réseau mobile. Donc on met une carte SIM 3G, 4G à l'intérieur et elle se connecte sur le réseau mobile. Et elle remonte les informations sur notre plateforme qui s'appelle Smati. Slide suivant. Alors, l'IoT, ça a été précisé aussi en introduction, c'est vraiment un vecteur très très fort de la transition environnementale. Donc, nous, au sein de notre plateforme logicielle, on ne fait que du logiciel, on va traiter un certain nombre de cas d'usage qui sont extrêmement utilisés, déployés aujourd'hui. Donc, le premier, c'est la performance environnementale. Donc, à l'intérieur de cela, eh bien, il y a le suivi des consommations d'électricité, de gaz, d'eau, des réseaux vapeurs, de l'eau glacée, etc. Donc ça, c'est un gros axe de développement très fort aujourd'hui qui va continuer encore de longues années. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est confort des occupants. Donc avec beaucoup de demandes sur la qualité d'air, le CO2 en ce moment. Donc là, on en déploie énormément, mais également sur tout ce qui est température, hygrométrie, luminosité, niveau sonore dans le bâtiment. Troisième axe, je viens d'en parler, la gestion d'espace et de l'occupation, donc détection de présence, de passage, du nombre de personnes qui rentrent dans le bâtiment, qui sont dans une zone, etc. Le suivi des taux d'occupation aussi. Et enfin, le quatrième axe, c'est tout ce qui est maintenance et sécurité dans le bâtiment. Donc là, ça va concerner tous les équipements critiques du bâtiment, l'eau chaude sanitaire, enfin les gros ballons d'eau chaude sanitaire typiquement, des VMC, des centrales de traitement d'air, la détection d'alarme, de fumée, détection de fuite, etc. etc. Alors pour faire cela, nous on peut se connecter soit au GTB quand elles existent, hein, GTB, GTC dans le bâtiment, on va chercher les données dessus. On peut aller chercher aussi des données sur les équipements qui sont déjà connectés à leur fabricant. On va chercher par exemple des données sur des chaufferies, des chaudières, des ascenseurs directement chez le fabricant sans que vous ayez besoin de rajouter de capteurs. Et puis quand on n'a pas le choix, on rajoute des capteurs. Donc on va, vous voyez, j'en ai mis un certain nombre. Donc nous, on n'en fabrique pas. On travaille avec beaucoup de capteurs, de fabricants de capteurs différents. On les teste longuement. Et ça, c'est vraiment très très important parce que les capteurs, il y en a vraiment énormément. Donc là aussi, on peut vous conseiller et on vous fournit un package global, hein, parce que c'est toujours un petit peu compliqué ces histoires quand on n'est pas habitué. Donc en fonction des cas d'usage, et c'est ça qu'on travaille avec vous, les cas d'usage qui répondent aux besoins de vos clients, on va vous proposer une solution sur la base d'un capteur, d'une technologie de transmission de données et de notre solution Smati. Suivant. Alors ça, c'est une petite démo du produit. Donc vous avez la possibilité de créer vos tableaux de bord, donc un ou plusieurs par utilisateur, sur la base de petits widgets, donc c'est des petites bibliothèques, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des widgets. Ensuite, vous gérez tout votre patrimoine de clients sur Smati, sur le produit, avec des entités, et puis vous rentrez, par exemple, directement sur un bâtiment, et sur ce bâtiment, vous avez toutes les consommations typiquement énergétique, eau, gaz, et puis tous les équipements qui sont supervisés, connectés au sein de Smati, avec tous les capteurs d'ambiance, donc qualité de l'air en l'occurrence ici, des chambres froides positives, négatives, la possibilité d'avoir d'autres index. Un moteur d'alerte et de notification assez important, hein, sur la base de différents types de conditions, etc. Et puis des rapports qui permettent pour vos clients de leur permettre de gérer leur parc ou même de leur envoyer des rapports complets sur leur parc, sur la performance, hein, puisqu'on gère les usages dans le bâtiment, on va cartographier un certain nombre d'usages et ensuite on va pouvoir calculer des indicateurs de performance. Vous voyez ici, c'est ce qu'on fait pour Accor. Chacun des hôtels peut voir la consommation par nuitée en kilowattheure, les litres d'eau par repas qui sont servis au restaurant, les consommations de gaz par nuitée aussi, etc. Donc on peut définir
autant d'indicateurs que vous le souhaitez dans le produit, de telle façon à ce que vos clients puissent avoir une vision extrêmement claire de la performance opérationnelle du bâtiment, et puis éventuellement, s'ils ont un parc de bâtiments, pouvoir comparer, benchmarker les bâtiments entre eux, pour pouvoir éventuellement décider de faire des travaux de rénovation sur un bâtiment ou sur un autre. Slide suivant. Alors ça, ce sont trois grands cas d'usage que nous avons aujourd'hui déployés. Donc on en déploie un certain nombre sur des typologies de clients assez différentes. Donc le premier sur un grand occupant, donc Accor Invest, ils ont à peu près 800 hôtels aujourd'hui. On a déployé notre solution sur plus d'une centaine d'hôtels. L'objectif numéro un d'Accor Invest, c'était de baisser les consommations d'eau et d'énergie. Donc ce qu'on a fait sur ces hôtels-là, de 10 à 20% environ, en fonction des hôtels. Et en fait, le projet s'est transformé en, on va dire, modification et transformation de l'activité de maintenance qui est internalisée chez Accor d'un point de vue digital. Donc, on a déployé l'outil. Suite au déploiement de l'outil, ils ont pu voir déjà au minimum entre 3 et 5 problèmes en quelques jours sur les hôtels. Alors, ce sont des fuites d'eau, ce sont des CTA qui ne sont pas éteintes la nuit, etc. Donc les cas d'usage, c'est tout ce qui était fluide, centrale de traitement d'air, groupe froid, eau chaude sanitaire chez Accor. Globalement, on a réussi, enfin eux, ils ont calculé le taux de retour sur investissement qui était 42%, donc ce qui est vraiment énorme. Ils s'attendaient à un 13-14%, on est bien au-delà des espérances. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de le déployer sur tout le parc avec une bien meilleure qualité de service client, puisque non seulement on arrive à adresser les problèmes de consommation et à les faire diminuer, mais on arrive à identifier les pannes très rapidement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc très souvent, c'était le client qui s'apercevait qu'il n'y avait pas d'eau chaude dans sa chambre le matin, et donc voilà, parce qu'il y avait une panne sur un ballon d'eau chaude sanitaire qui n'avait pas été repéré. Donc beaucoup d'identification de panne en avance de phase, et puis on commence à faire du prédictif aussi sur des consommations et sur des pannes. Deuxième cas d'usage, les facility managers. Donc là, on a beaucoup de clients qui sont dans ce domaine-là. Donc on travaille avec Engie, on travaille avec SPI, avec Bouygues Énergie et Services, avec Logista qui gère des bailleurs sociaux. Les cas d'usage sont assez variés. C'est très souvent associé au CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, l'énergie, l'eau, mais ça peut être aussi des sky domes, etc., donc beaucoup, des pompes à chaleur. Objectif pour eux, c'est de pouvoir piloter, bien entendu, leur parc pour leurs clients à distance le plus possible, d'identifier les pannes avant que le client ne s'en aperçoive, de prédire aussi, de faire de la prédiction de panne et donc d'intervenir à bon escient pour éviter que la panne n'arrive, d'éviter des déplacements sur site. Voyez, on a de 20 à 90% en fonction du type d'équipement de déplacements sur site qui sont évités. Donc ça, c'est un gain de productivité énorme pour les facility managers. Et puis, de développer des nouveaux services à forte valeur ajoutée, exemple coaching énergétique ou autre, maintenance prédictive, on est aussi un bon exemple, pour alimenter, on va dire, la proposition de valeur, monter en valeur et puis développer évidemment de nouveaux revenus avec leurs clients. Je vais vous demander de conclure, oui. Patrick. Dernier exemple, ce sont les villes. On a beaucoup de cas d'usage au sein des villes. Là aussi, vous avez beaucoup d'opportunités pour déployer ce genre de choses. On l'a fait sur beaucoup de villes. Là, j'ai cité Vichy avec le pôle universitaire et le pôle aquatique. Qualité de l'air dans les écoles aussi, c'est un gros sujet. Voilà, slide suivant, je crois qu'on a terminé. Voilà, donc pourquoi les clients choisissent Mati, une vue complète de l'état du parc, l'état opérationnel des bâtiments, réduction des coûts importants, réduction des consommations, et puis gain de productivité très très important. Voilà, je vous remercie. Je pourrai répondre à vos questions. Merci beaucoup Patrick. N'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat. Une première question, Patrick, sur le type de bâtiment finalement sur lequel vous déployez. Est-ce que c'est toujours sur des parcs importants ou des gros bâtiments, ou est-ce que ça peut être aussi sur
à un bâtiment unique et de petite taille, un petit bâtiment de bureau, une petite école. Alors, en fait, c'est... Ouais, en fait, on le déploie de plus en plus sur tout type de bâtiment. Donc, ça peut être sur une municipalité, en effet, Antoine, sur une école, qui veut monitorer la qualité d'air, par exemple, au sein de son école, sur des gymnases. Donc, on va avoir des petites municipalités avec 2, 3, 4, 5, 10 bâtiments. Et ça va aller jusqu'à des centaines de bâtiments sur des parcs, hein, avec les mainteneurs qui gèrent de plus en plus de clients sur Smati. Donc c'est assez varié. Au début, c'était plutôt sur des grands propriétaires ou des facility managers pour gérer des parcs importants. C'est là où évidemment tout le produit prend sa valeur, mais ça, c'est de plus en plus le cas aussi sur des petits parcs, voire des bâtiments uniques. Sur un hôtel, tu vois, quand je mentionnais le cas Accor, bon, ça sert évidemment aux gens du groupe, hein, mais ça sert aussi aux managers de l'hôtel pour pouvoir identifier ses problèmes sur l'hôtel. Donc, ça concerne son bâtiment, en fait. Hein. Donc, ça sert aux deux, dans ce cas-là. Une autre question de ma part, en pensant aux entreprises de la FFB qui écoutent, est-ce que... on peut imaginer finalement un partenariat entre une entreprise et vous, puisque finalement ce que les tableaux de bord montrent, c'est souvent qu'il y a besoin de faire des travaux correctifs ou de maintenance. Et donc finalement, Smati amène beaucoup d'interventions d'entreprises dans les bâtiments derrière. Oui, absolument. Absolument. L'objectif pour nous, c'est de remonter, de travailler sur la donnée. Et ensuite, ça génère beaucoup de valeur en termes de service, absolument, chez nos clients. Donc, on peut suivre tous les plans d'action aussi dans le produit. S'il y a différents corps de métier qui interviennent, là aussi, ça peut générer et être suivi dans le produit. Hein. Ça peut générer des travaux bien identifiés avec une valeur ajoutée qui est extrêmement précise et claire à remonter dans le produit. Évidemment, on vous accompagne. On a des clients qui sont de gros, mais on a aussi des petites entreprises qui utilisent Smati. Et bien entendu, on vous aide dans les cas d'usage. On a un catalogue important et je pourrais bien entendu vous le distribuer à ceux qui sont intéressés. Très important de cas d'usage qui sont très parlants puisque c'est la consommation électrique, c'est de la consommation d'eau, c'est des portes de garage, etc., etc. Donc les cas d'usage sont très parlants. Et après, comment gérer ces cas d'usage-là? Bien entendu, on a des solutions pour le faire. Donc on vous accompagne sur le déploiement de ces cas d'usage et sur l'utilisation de la plateforme. On a un support opérationnel qui est assez sollicité et qui est plutôt efficace puisque nos clients sont assez contents. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture cette séance de pitch. Merci beaucoup Patrick pour cette présentation. Et merci à vous pour votre attention. Merci. À bientôt. Et je redonne la main à IBTP pour le mot de clôture. Merci à tous, merci aux participants, vos interventions, questions, merci aux intervenants. L'ensemble de vos présentations et des solutions ont apporté la preuve, une fois encore, dans le cadre de ce webinaire, que cette innovation numérique pouvait appartenir au quotidien des entreprises dans le secteur de la construction, tant dans leur organisation que sur leur chantier. C'est tout l'objet de ces webinaires, c'est vous montrer que sous ces deux mots, innovation numérique, il y a bien une réalité qui aujourd'hui nous entoure, que de nombreuses entreprises utilisent et qui sont aujourd'hui proposées par ces startups. On aura bien noté que la notion d'accompagnement reste extrêmement importante. Hein. Ces startups sont là pour être les médiateurs entre ce qui peut parfois paraître très loin du chantier et le chantier.
Notre prochain webinaire aura lieu en septembre. D'ici là, nous aurons eu l'occasion de vous transmettre toute une information sur ce webinaire et, si possible, le webinaire précédent. N'hésitez pas à nous interroger. Vous avez les coordonnées qui apparaissent. N'hésitez pas à consulter nos différents canaux de communication. On reste à vos dispositions. Merci encore et bel été à tous.